Bonjour à toutes et à tous, c'est Lucky Colombe, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer ça. Donc, ma lampe de cave nettoyée. Elle est fonctionnelle, je pense, parce que c'est juste deux bornes. Mais j'ai pas pu mettre de fiche parce que les vis de la douche sont toutes pétées et là, je n'en avais pas sur moi. Et voilà, donc je vais pas vous l'allumer dans cette vidéo. C'est pas grave, c'est juste une ampoule qui s'allume en réalité. Donc, je vous l'allumerai, je pense, dans une prochaine vidéo si quand j'aurai réussi à faire le bordel avec les vis et tout. Dès que j'aurai changé les vis et tout, je vous ferai une vidéo. Mais là, j'en avais pas, il faut que j'en achète, du coup, ça prendra du temps. Et je vais vraiment vous faire la vidéo quand elle est propre. Comme ampoule, j'ai mis une ampoule grillée. C'est une masse d'aperles grillée. Donc, la douille, voilà. On va devoir le joint d'origine que j'ai pas réussi à pas péter. C'est un peu sale, mais ça part pas tellement. Ça, c'est nickel. J'ai nettoyé comme j'ai pu. Et là, c'est juste la peinture noire. C'était d'origine. Et juste un tout petit peu rouillé à certains endroits, mais c'est vraiment en très bon état. Ici, on a le support haut de la douille avec le petit crochet d'origine. Donc ce système, je trouve que c'est vraiment con hein, de faire sortir deux fils de chaque côté, mais bon, ça, c'est de la vie. Et ça, c'est la partie que je peux pas faire, genre, cette vis, elle se serre, mais cette vis, elle est plate. Donc j'ai déjà galéré à sortir les fils d'origine, alors... Pour remettre les fils, c'est galère. Donc dès que j'aurai trouvé la technique, dès que j'aurai trouvé une vis ou quelque chose, moi je fais une vidéo. En plus j'ai installé un câble qui traverse toute ma chambre. Et du coup je peux accrocher la lampe assiette dessus. Désolé de ne pas vous l'avoir testé, mais je le ferai dans une autre vidéo. Hein. C'est vraiment stylé quand même. Sinon, bah voilà, ça va être tout pour cette petite vidéo. Aïe. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésite pas à liker et à t'abonner. Allez, ciao!